Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha. Moi c'est Camille, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est que ça allait. Alors j'espère que vous aimez bien mon setup. Vous pouvez remercier Margot et Laura, Laura ma manager, Margot aussi d'ailleurs sur le campus de l'ESSEC, qui m'ont offert ce fond de vidéo pour que ce soit un peu plus acceptable de la part d'une youtubeuse avec plus de 1000 abonnés. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un haul vintage. Je tiens à vous préciser que ce n'est que la moitié du haul. Donc du coup je vais vous faire une première partie avec ces 8 cartons. Et ensuite il y aura une deuxième partie avec des colis qui vont arriver la semaine prochaine. Ce soir c'était sur les burgers. Donc ceux qui me jugent, je m'en bats les couilles, je mange un tarte pour mon burger. Et sachez que les vêtements que je porte, c'est tous les deux des vêtements que j'avais dans mes, que j'ai eu dans mes précédents hauls. Celui-là c'est dans mon premier et il m'a été offert. Et celui-là c'est dans mon deuxième, c'est un jean avec lequel je ne peux pas m'asseoir. Alors, on va commencer par ce corset-là. I'm so excited. Nous avons un corset très serpentard. Alors, on a plusieurs types de corsets de qualité plus ou moins bonne. Celui-là, mon gars. Alors, il m'a l'air grand quand même. Mais regardez-moi. On va essayer. Avada Kedavra. J'adore. Vous savez que Avada Kedavra, ça veut dire que la chose soit détruite. Et oui, j'adore. J'ai un miroir juste là. Ah mais putain, je me suis fait chier à l'enfiler. Il y a une fermeture éclair juste ici. Ouais. J'aime bien. Il est peut-être un peu trop large pour moi. Dans tous les cas, il peut pas se serrer et faire comme ça. Bon, ouais, ça change pas. Comme d'habitude, je vous mettrai le nom des vintage en description. Et la suite, j'ai commandé un autre corset chez cette femme et elle m'a offert des trucs. J'adore. Vraiment mon hobby. Mon hobby, les gens qui m'offrent des trucs. Alors, c'est pas vraiment un corset, c'est plus un truc semi. Alors, est-ce encore un t-shirt qu'on m'offre? C'est un t-shirt. Donc nous avons un petit... C'est une femme nue. Attendez. Non, elle a juste un micro-short. Il est cerise, mon gars. Ok. Ah, ça dévisse. Ah, c'est des petits... C'est des petits pots, regardez, comme ça. It's so cute. Bon, ouais. Le noir. Il y a des petites textures là, je sais pas si vous voyez, c'est hyper avec une veste noire comme ça là. Donc merci infiniment pour les cerises, je pense que je mettrai de l'ecstasy dedans. Prochain colis. D'ailleurs je pense que je vais pas tarder à faire moi vendre des trucs sur Vinted parce que je commence à avoir pas mal de trucs là. C'est Sanje Gang. Ah merde, c'est vrai. Allez, on change. Enfin, débarrassé. Tadam. Alors, c'est un jogging assez simple. Avec le bas comme ça, droit là. Mon ancien jogging est en train de décéder. Je vais vous montrer ça. J'ai dû le recoudre parce qu'il était en train de faire des trous de tous les côtés. Donc du coup, je voulais un autre jogging. Avec des bas comme ça, sauf que tout le monde les vendait à des prix outrants. Du coup, j'étais en mode, bon, il y a celui-là, c'est la forme que je veux en haut. Et pour en bas, bah, c'est pas grave, je rajouterai juste un élastique, hop, et ça fera effet plissé. Et voilà le travail. Alors, ah, ça c'est un pantalon. Ah putain, j'étais bien en faute. Ouais. Prochain pantalon.
Alors, ça c'est un petit type original, extrêmement taille haute. Par contre, les poches du dos. Non, mon échange universitaire ne se fait pas au Brésil, mais bien en Allemagne où il va y avoir de la neige. Je me dis, comme ça c'est aéré. Non, mais c'est pour le Covid et tout. Bref. Ça va. Alors, j'adore. Vous ne voyez pas le bas. Ah, il est un peu transparent quand même. Bref. Mais il est magnifique. Attendez. Je suis trop fan. Tout le monde valide. J'adore. Pour vous montrer le bas. Hop. Est-ce pas magnifique? J'adore. Oh, mais je crois que je l'ai payé genre 6 euros. Ouais. Alors j'espère que c'est pas du fil que j'ai acheté. Un petit mot. Non. Ah, ils ont pas mis de petit mot. Je suis quand même un peu triste ou autre, moi. Ça, c'est un deuxième pantalon en juvénile pour qui j'avais depuis longtemps dans mes favoris. Alors. Tintin. Il est grave stylé, par contre. Il y a mon enfant là qui empêche les poches d'être droits. Du coup voilà, mais sinon j'adore, il est trop beau. I am so fan. J'espère que vous kiffez mes chaussettes vertes là que vous voyez plus tard. Je vais changer, je vais remettre. Hop. J'adore. Vous aimez? D'ailleurs n'hésitez pas à commenter votre fringue préférée dans mes hauls. C'est assez rare que les pantalons maillent, donc je tiens à vous dire que j'ai changé de taille. J'ai demandé que du 38. Je me verrais bien changer de haut là. Ah, c'est encore un pantalon blanc. Je veux des hauts. Là, c'est un haut ça. J'ai commandé quand même, en alignement avec la saison présente, un petit pull. D'ailleurs, pour les petits curieux là, est-ce que ça vous dit une vidéo sur la YouTube Money, parce que du coup maintenant je suis monétisée. C'est pour ça que je suis autant de haul maintenant, parce que je gagne 50 centimes par jour, je veux dire. Plutôt riche quoi. Ok, alors il est assez long, donc c'est parfait. Il est crop top, mais quand même assez long pour les pantalons qui sont courts. Simple, basique, et c'est bon. Ça, c'est deux corsets les gars. Il y en a un parmi les deux qui va être bombe. J'ai mes partiels dans 3 jours, ok. Happy fishing game. Et non les amis, je suis désolée de vous décevoir, ce n'est pas ça que j'ai reçu. C'est toujours pas un petit mot d'amour là. Les amis. Imagine, il est vide. Le plus gros prank de l'histoire. Ah non, il est là. J'ai vraiment cru pendant un instant que la gadget m'avait rien envoyé. J'étais un peu en mode. J'adore. Il est magnifique. Damn. Boy. J'adore. Il est trop beau. J'adore, en plus il va vraiment bien. Les petits détails comme ça là, qui se prolongent ici. Je suis émue les gars, j'adore. Regardez les petits détails ici. Donc c'est transparent, sauf pour les bonnets, il y a une doublure. Donc ça c'est cool. Derrière c'est comme un soutif. Pour les connaisseurs et connaisseuses, je suis très fan. Lui, je pense que ça va être le corset de meilleure qualité que j'ai avec celui de ma mère. Parce que clairement, il a la gueule d'un bon corset. Avant, j'étais pas trop convertie à Vinted non plus. Mais avec la pandémie là, et le fait que j'en fasse plus souvent pour mes vidéos, je suis grave devenue convaincue. On peut trouver d'hyper belles pièces dessus. Donc j'adore. Je suis en train de détruire le carton, je vais surtout me détruire la main. Regardez, c'est un corset qui se referme comme ça. Vous voyez les détails hein? Les petits trucs comme ça. So pretty. Et avec, je vais en dessous essayer. Et oui, j'ai refait.
l'erreur, on va savoir bientôt, de commander un nouveau Levi's. Écoutez, tant que je n'ai pas trouvé le Levi's parfait, je n'arrêterai pas, d'accord? Donc, nous allons faire un petit combo Miss America, c'est parti, hein. Oui! Yeah. Alors, il est somptueux. J'adore. Attendez. Nous allons mettre les lunettes. Ah, j'adore. Il est trop beau. Bon, par contre, le pantalon, ce n'est pas trop ce qu'il faut mettre en dessous. Alors, je suis pas encore sûre pour les strass. Je pensais peut-être les enlever. Il y a encore de la place ici. Et ici aussi, mais comme d'habitude. En fait, je serrerai un peu plus à ce niveau-là. Il a juste pas une forme en cœur. Je crois que pour juger sur mon nouveau jean, il faut que je change de haut parce que clairement, il est trop magnifique. Est-ce que nous validons le jean? Je suis un peu aveuglée, attends. Ah bah j'avais pas tout boutonné, j'en ai encore. Désolée les amis. Je crois qu'il me va déjà mieux. C'est assez stylé, en plus il me va même quand... Even when I'm pregnant guys. J'ai limite envie de changer d'outfit. Non, c'est bon, j'ai trop la flemme en fait. Voilà, c'est la fin pour ce première partie de haul. Moi j'ai kiffé tout simplement parce que je me souviens plus combien d'argent j'ai dépensé. Donc du coup je suis en mode wow les cadeaux. Mais bon, c'était mes 20 ans, donc on va dire que c'était pour ça. Je suis assez contente de ce jean Levi's, mais je pense que ça marque la fin d'une course au Levi's parfait. Je suis contente parce qu'avec celui-là je suis sûre de pouvoir m'asseoir. Je vous donnerai aussi les measurements pour vous dire. Parce que si vous avez vu ma précédente vidéo, j'en avais acheté 3 dedans, donc 4 même, je crois. Donc voilà, je commence petit à petit à avoir une collection de Levi's. La semaine prochaine, normalement, ce sera le vlog alternance, comment je gère les secs et l'alternance. Ensuite, ce sera soit un concept original, si je me chauffe. Donc si vous voulez que je me chauffe, écrivez-le en commentaire, ça devrait être crispy. Et ensuite, le troisième, rien de sexuel, par contre. Ensuite, ce qui va suivre, il y a ensuite le haul vintage, la suite de celui-là. Il y a ensuite mes vlogs sur lesquels je suis hyper en retard, genre le vlog de Tokyo, le vlog à la neige de l'année dernière. Voilà, bref, j'ai plein de content qui arrive. Et il y aura aussi une vidéo sur mon acné, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais dans mes dernières vidéos, ça ne va pas, parce que je suis en train de tester de nouveaux produits. Et sur ce, je vous fais un... gros bisous, je vous souhaite le meilleur, j'espère que vos chocolats du calendrier de l'Avent sont ultra bons, je vous souhaite plein d'amour, franchement j'ai 1170 abonnés à l'heure de cette vidéo et je suis juste impressionnée de tous les gens qui continuent à s'abonner et moi je suis juste en mode wouh, du coup ça fait vraiment trop plaisir et voilà plein d'amour, n'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner avec la cloche. Abonnez-vous.